Samsung prêt à acheter la fidélité de sa clientèle après le fiasco du Galaxy Note 7. Contraint de rembourser 2,5 millions d'exemplaires du smartphone explosif, le géant sud-coréen offre un bon d'achat de 56 euros aux propriétaires prêts à l'échanger contre un autre téléphone de la marque, moitié moins aux autres. Pas assez pour retenir cet homme d'affaires qui affichait sa déception ce jeudi à Séoul. « J'ai acheté le Galaxy Note 7 parce qu'il me plaisait plus que le S7 Edge. Je préfère donc être remboursé. » Selon l'agence de notation financière Fitch, les dégâts d'image causés par l'affaire du Note 7 constituent une menace plus lourde que l'impact financier direct. Samsung mise sur les inconditionnels de la marque, comme ce client chinois. Je soutiens toujours Samsung parce que je fais confiance à la marque. Ils conçoivent d'excellents smartphones. J'ai échangé mon Note 7 contre un S7, ce qui montre toute la confiance que j'ai en Samsung. Je ne veux pas d'une autre marque. Premier fabricant mondial de smartphones, Samsung est une institution en Corée du Sud où il pèse 17% du PIB. D'ailleurs, les déboires du Note 7 ont conduit la Banque centrale à revoir ses prévisions de croissance à la baisse pour 2017 de 2,9 à 2,8%.